Aujourd'hui, j'ai trouvé celui à qui me confier. Car ses paroles ont embrassé mon cœur. Ont redonné la joie de vivre. Allumant la flamme du vrai bonheur. L'assurance de mon salut. Prends-moi dans tes bras. Amène-moi où tu voudras. Où tu voudras. J'irai avec toi. Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs dans le Seigneur. Bienvenue dans cette édition de matinale de prière du jeudi 24 juillet 2014. Commençons comme à l'accoutumée par cette séquence de musique religieuse. Chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, notre support de prière nous vient du livre de l'Exode ce matin. Exode, le chapitre 40, les versets 16 à 21, qui nous disent ceci. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi.
Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. La parole de Dieu est vérité. Elle demeure éternellement. Amen. Chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, ce jour, nous sommes interpellés à l'obéissance aux instructions que Dieu nous donne. Dans ce passage, à plusieurs reprises, nous avons pu lire que l'Éternel, Moïse fit comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Et Moïse fit ainsi. Pour construire l'Église de Dieu, pour construire un temple, il y a des instructions qui nous sont données par Dieu par différents moyens. Et nous devons obéir à ces instructions. Mais pour construire également notre vie, nous devons obéir aux instructions que Dieu nous donne. Chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, au cours de cette journée, rappelons-nous cet exemple de Moïse obéissant aux instructions de Dieu par rapport au lieu d'adoration où Moïse était appelé à travailler. Moïse s'est senti en devoir d'obéir et d'agir et de faire exactement ce que Dieu demandait pour chaque chose dans le lieu d'adoration qui était fait en son nom. Nous aussi, tout au long de cette journée, demandons à Dieu dans chaque domaine, dans chaque espace de vie, lorsque nous allons sortir tout à l'heure, d'être en capacité d'agir selon les instructions que Dieu nous donne à travers sa parole sur le mode de vie qui doit être le nôtre. Soyons aujourd'hui et demandons à Dieu qu'il nous permette d'être attentifs afin d'être obéissants aux instructions qu'il nous donne. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous conduis. Viens être au-devant de moi aujourd'hui. Permets-moi Seigneur qu'on permet aussi à tous les autres frères dans la foi et à toutes les sœurs dans la foi d'être attentifs ici à ta parole, à ta parole qui nous enseigne, qui nous dit ce que nous devons faire pour nous-mêmes, pour notre prochain et vis-à-vis de toi. Sois avec nous tout au long de la journée. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien aimé, que cette mélodie...